Nous sommes à quelques kilomètres d'Agadir. Entre les plages de l'Atlantique et les montagnes de l'Atlas. C'est ici que l'OFPPT a créé la Cité des métiers et des compétences Sousmassa. Un établissement nouvelle génération, né du programme des Cités des métiers et des compétences, colonne vertébrale de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le 4 avril 2019. Ce programme permettra à chacune des 12 régions du Royaume de disposer de sa propre CMC. C'est le 6 février 2020 que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a procédé à la pose de la première pierre de la Cité des métiers et des compétences Sousmassa, plateforme de développement des compétences au service des jeunes, des entreprises et du territoire. Construite sur une superficie de 10 hectares, la cité peut accueillir jusqu'à 3000 stagiaires par an, dans un cadre propice à l'apprentissage et stimulant le développement personnel. Des infrastructures intelligemment pensées, incluant des pôles métiers avec des plateformes d'applications intégrées, des structures communes et des espaces de vie. Lieu d'émulation, d'idéation et de créativité, les structures communes incluent une chaîne intégrée pour favoriser l'innovation. Un espace coworking pour encourager le travail collaboratif et l'émergence d'idées créatives. Un Fab Lab pour concevoir, prototyper et tester à l'aide de logiciels de modélisation, de scanners, d'imprimantes 3D et d'outils de réalité virtuelle et réalité augmentée. Une Digital Factory pour développer et expérimenter des solutions numériques et soutenir la transformation digitale. Un incubateur pour soutenir l'initiative entrepreneuriale des stagiaires et les accompagner à concrétiser leurs projets en entreprise. Les structures communes comprennent également des salles de langue et de soft skills. Une médiathèque pour encourager la lecture et la quête de la connaissance. Et un centre de conférences pour organiser les grands événements professionnels et institutionnels. La CMC dispense des formations diplômantes et qualifiantes pour accompagner les grands chantiers nationaux. Grâce au centre d'orientation professionnelle, nos conseillers accompagnent les jeunes depuis le choix de la formation jusqu'à l'obtention de leur diplôme, mais aussi en phase post-formation, pour mieux les aider dans la concrétisation de leurs projets et faciliter leur insertion professionnelle. La plateforme d'orientation MyWay, accessible en ligne, est mise à disposition des jeunes pour leur permettre d'identifier leurs passions et intérêts, explorer les métiers d'aujourd'hui et de demain et concrétiser leurs projets professionnels. En fonction des besoins en orientation, des séances ciblées de sensibilisation, d'information et d'accompagnement sont organisées au profit des candidats, des stagiaires et des lauréats. Nous proposons 81 filières de formation dans 11 secteurs qui correspondent aux besoins des écosystèmes économiques de la région. Pour le secteur de l'agriculture, nos formations diversifiées comprennent le management agricole, production végétale, gestion des sols et systèmes d'irrigation, ou encore en agrobusiness, viendront booster encore plus cette dynamique. Et c'est grâce à une ferme pédagogique parfaitement aménagée, conçue pour les besoins de learning by doing, que nos stagiaires s'initient aux différentes disciplines de l'agriculture. La CMC offre également de multiples formations dédiées aux métiers de la pêche. Maintenance mécanique des navires. Maintenance des instruments électronavals. Gréeur d'engins de pêche. Ramandeur. Maître graisseur. Mais aussi production aquacole. Un secteur promis à un bel avenir grâce aux 180 km de la façade atlantique, le grand port d'Agadir, ses bateaux de pêche et ses unités de transformation. Agadir est aussi connu pour être la première destination nationale pour le tourisme balnéaire. Nous formons différents métiers du secteur. Management touristique et hôtelier. Art de la table. Art culinaire. Yield Management et gestion d'instituts de bien-être et de beauté. Avec l'hôtel et le restaurant pédagogique, nous inculquons à nos stagiaires l'hospitalité marocaine authentique, universellement reconnue. La CMC dispense également des formations dans l'artisanat, comme la bijouterie, la haute couture, la maroquinerie, et la tapisserie pour préserver le patrimoine et faire vivre le savoir-faire marocain.
Des formations dans les métiers de la santé sont également proposées aux jeunes stagiaires, avec une unité de soins réels pour un apprentissage expérimental. Le BTP est aussi adressé avec des formations en génie civil, bâtiment, gestion de projet BTP et une maison intelligente dotée d'un dispositif domotique élaboré pour préparer les apprenants aux défis de la technologie. Avec son pôle industriel qui propose une vingtaine de spécialités, la CMC Sousmassa répond aussi aux besoins des professionnels de l'industrie. L'usine pédagogique qui y est installée permet d'adopter une formation immersive proche de la réalité de l'entreprise et d'adresser des problématiques pluridisciplinaires. Et à l'ère du digital, la CMC formate toutes les dernières tendances du secteur. Cloud computing, cybersécurité, développement digital et plein d'autres métiers. Les stagiaires sont également formés aux métiers des arts et industries graphiques, notamment en matière de production graphique, d'infographie ou encore d'impression digitale. Et pour former des managers aptes à relever les nouveaux enjeux économiques de notre pays, la CMC propose également une offre de formation diversifiée dans les métiers de la gestion et du commerce. À la CMC, l'apprentissage se fait suivant un modèle pédagogique libérateur d'énergie, alliant développement des compétences métiers et soft skills, en s'appuyant sur le learning by doing et la pédagogie active pour un apprentissage ludique, participatif et performant. Au-delà de la formation, la CMC est aussi un espace de vie et d'épanouissement au quotidien, avec des espaces de rencontre, des terrains de sport, une cafétéria, et une maison de stagiaires de 400 places, garantissant des conditions d'hébergement et de restauration optimales. La Cité des métiers et des compétences. La formation nouvelle génération.